Bienvenue sur Channel 1 pour une autre vidéo. Pas oublier abonner, activer cloche notification, quitter un like, un commentaire, une façon vous capable et supporter travail. Nous allons partager ensemble avec vous et dossier transfert. Cette fois-ci, c'est pour aller directement en Espagne. En deux équipes FC Barcelone. Nous allons parler de Nico Williams, révélation Coupe d'Europe 2024 là, avec la sélection espagnole de football. Et bien Nico, monsieur a éloigné là, chaque jour un peu plus de Athletic Bilbao. Faut nous dit ailier de 22 ans, non cité très fort dans l'équipe FC Barcelone. Et bien une nouvelle qui justement a fait en pile actualité. Et bien faut nous dit gagner président FC Barcelone qui confirmer intérêt Barcelone pour international espagnol. Il y a un supporter FC Barcelone qui d'après poser John Napolita une question. Il demande à Napolita, est-ce que Nico Williams a débarqué prochainement? Et comment le président catalan répond? Monsieur dit, nous pourrons essayer. C'est comme ça Napolita lui-même lui a répond. Faut nous dit Nico Williams, il y a une clause libératoire qui est évaluée à 58 millions d'euros. Eh bien, d'après information journal et catalan, qui c'est journal sport, lui-même, li baye yon lot information, et concernant Nico Williams, nan Barcelone, et faut nous dit journal catalan, lui-même, li tavle fait connaître, eh bien, Barcelone, li a return simplement OK Nico Williams. D'après journal sport, club catalan, li tout proche pour lui conclure un transfert Nico Williams, 22 ans, club là, juste après ton réponse, de Elie Athletic Bilbao justement avec proposition que yo fait lire une proposition de contrat de 5 ans et Barcelone montré que li très confiance validation transfert ça par la Ligue espagnole. Cependant aucune date pas annoncée pour officialisation transfert là, mais on fait connaître ça capable intervenir dans prochain jour. Toujours d'après Journal Sport, Nico Williams c'est pour le premier transfert été dans Barcelone. Et bien là et après ça Barcelone n'est pas capable attaquer pour un deuxième transfert qui par l'autre que Dani Olmo nous connaît qui a évolué en de équipe RB Leipzig. Paris Saint-Germain mais voulez gagner service Jadon Sancho. Paris Saint-Germain club capital française là fait une offre pour Jadon Sancho rapporté journal Foot Mercato. Et bien après passage li en prêt dans Borussia Dortmund, et bien il y a de 24 ans monsieur de retour dans Manchester United et ça il est vrai que gen nouvelle qui fait connaître qu'il capable rete pour intégrer encore une fois équipe Manchester United là, mais d'après Foot Mercato Sancho lui-même ta même sur route pour les trouver un accord contractuel avec Paris Saint-Germain, club capital là, Tadoué est tombé d'accord avec Manchester United aussi. Président Benfica, il confirme que il recevra un offre pour João Neves. Président Benfica, qui c'est Rui Costa, il fait connaître que il recevra un offre pour João Neves, mais il n'a pas dévoilé club qui fait offre là. Mais pendant ce temps, il y a RMC Sport lui-même qui a fait connaître semaine qui s'est passé là, que Paris Saint-Germain lui a proposé une offre de 70 millions d'euros pour Neves. On a parlé tout de Rafael Márquez finalement qui rejoint le staff technique mexicain en tant qu'adjoint pour préparer la Coupe du Monde 2026. Eh bien, entraîneur Barcelone B depuis 2022, ancien défenseur catalan, officiellement, liquidé et vraiment Barcelone dimanche 21 juillet 2024, le club catalan même annoncé des paris à travers un communiqué qui a publié. Avec 147 sélections, Rafa Márquez, lycée 4e joueur qui plus capé dans l'histoire sélection mexicaine. Non? Et en 2018, il est devenu 3e joueur qui a disputé 5 Coupes du Monde, 2002, 2006, 2010, 2014. Et 2018. Kounia, nous allons parler de Karim Benzema. Benzema, nous connaissons qui de retour en Espagne pour préparer saison 1 avec l'équipe qui c'est Al Ittihad. Déjà, il a joué plusieurs matchs amicaux dans le pays, l'Espagne. Dans l'occasion, ça, et Français lui-même, Tichita parlé avec Journal Maca, côté que lui a parlé de Ballon d'Or, lui a parlé de Real Madrid. Benzema qui va le connaître deuxième saison en Arabie Saoudite et il y a des changements importants dans Al-Ittihad. Il y a Benzema qui s'allie à prétendre de nouvelles saisons avec Al-Ittihad. Benzema répond pour le dire très bien et nous commençons pré-saison de meilleure façon possible en termes de travail
avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, bien sûr, des perspectives différentes en matière de compétition. Kounye la, nous prenons le travail pour une saison qui a venu là et c'est ça qui comptait. Comment l'équipe lui-même l'a changé entre la saison dernière et la saison qui a pas venu là? Benzema pour nous dit, nous sur route pour nous construire une très bonne équipe plus fort chaque jour et moi senti moi encore mieux. Benzema, tu n'as pas répondu à une question concernant le changement championnat. Je me dis, monsieur, comment l'y adapter? Est-ce qu'il est compliqué? Benzema dit, bien sûr, toujours. Je veux dire, c'est pas facile parce que Ligue ça, l'y compliqué. Équipe yo, et de plus en plus, yo paraît plus fort. Et il y a des rivales qui sont très forts et très bons. Mais saison ça, moi, pense que nous sommes capables de faire de très belles choses. Yo dit Benzema, il y a un peu de monde, surtout qui est dans le championnat, qui parlait de un championnat qui a plus fort chaque jour. Mais il y a un monde tout qui en Europe qui pensait que ça veut dire c'est pas en vérité. Qui ça en pensait? Est-ce que c'est vrai? Benzema dit oui, petit à petit. Et si vous regardez chaque année qui a passé, eh bien, il y a des joueurs qui a privé et qualité football là, li a augmenté plus toujours. Qui attend tout pour en saison ça dans Al Ittihad? Karim Benzema dit moi pense que ça encore plus mieux que l'année dernière et bagay yo pas marché vraiment saison dernière. Nous devons pratiquer un meilleur football pour nous capable bien jouer et remporter championnat. Qui se trouve qui plus important pour que le blanc et supporter yo yo vle gagner même gens avec nous n'ont pas douté et moi ici avec équipe moi pour nous capable gagner tout le monde doit clair sur question ça tout le monde a parlé de roue comme référence équipe là Benzema dit oui bien sûr moi connais que qui ça me doit faire c'est pour ça que moi a préparé très bien pour moi en forme et capable aider coéquipier mio et espérer gagner des trophées saison ça c'est objectif moi et même avec tout l'autre coéquipier mio gagne football et gagne aussi envie. Real Madrid gagne Liga, gagne Ligue des Champions la saison dernière, qui sont pensés et parlez-nous un peu. Est-ce qu'on pas gagne nostalgie? Benzema dit oui, une saison spectaculaire, très bonne. Real Madrid c'est toujours meilleure équipe qui gagne dans le monde là et gagne des joueurs qui a passé, gagne l'autre joueur qui a privé, mais Real Madrid a toujours été au sommet, c'est le meilleur et il y a continué pour prouver en tant que meilleur club qui gagne dans le monde là. Qui ça t'a pensé lors t'a assisté finale là à Wembley? Benzema dit en pile joie et c'est équipe moi et m'a toujours là comme un soutien pour Real Madrid et côté que moi gagne ancien coéquipier mio, c'est logique. Real Madrid si Real Madrid quelque chose d'unique. Est-ce que vous regrettez de pas ou dans Real Madrid? Et Benzema répond encore vous dit gagne plusieurs joueurs qui arrivaient et quelques joueurs qui partis. C'est comme ça. Et ça a toujours arrivé. C'était moment pour nous quitter l'équipe là. Bien sûr, moi gardé en arrière et moi très heureux. Saison dernière, et équipe ça, il était baillon sensation de puissance, de bon football et c'est pour ça que yo gagne Ligue des Champions et yo gagne Liga. Je dis là, on parle l'autre équipe qui capable paraître meilleur que Real Madrid. Real Madrid c'est meilleure équipe qui gagne dans le monde là, il est toujours fort et toujours en bataille pour tout titre. Et moi campé, moi regardé, bah aucune équipe qui capable meilleur que Real Madrid. L'autre question qu'on va le poser Karim Benzema, qui est-ce qui favori pour gagner Ballon d'Or selon lui-même? Je dis Mabdil très fort et Vinicius Junior mérité gagner Ballon d'Or parce que le mérité là pour saison et pas seulement pour ça qu'il fait année ça mais aussi pour ça qu'il fait année dernière, lui aussi distingué par football lui. Et ça qu'il fait lorsqu'il gagne ballon, et c'est un bon garçon, un bon footballeur, très complet. Et qui principale capacité Vinicius Junior? Benzema répond pour le dire, il est capable de gagner un match tout seul, et bien sûr, avec aide coéquipier Lio, mais il est très bon lorsque Real Madrid a besoin de lui. Et c'est pour raison ça, moi pense que il mérite, il est toujours présent, et il montre toujours à la hauteur. Pour tout ça, Vinicius Junior c'est préféré pour Ballon d'Or. Après une saison, Benzema, son numéro 9 dans Real Madrid, qui c'est numéro que vous avez porté dans Real, désormais c'est Kylian Mbappé qui peut le porter numéro ça. Et Benzema répond dit, tôt ou tard, je connais que Mbappé a joué pour Real Madrid. Et c'est ça que je toujours pensé. Et c'est ça qui passait. Et
Nèg ça n'a pas exactement de Mbappé, li c'est un grand joueur. Et ben là, et Benzema t'a pas répondre une question encore et lorsque tu t'es posé la question et est-ce que li facile pour Real Madrid de toujours été au sommet. Je dis bien sûr, moi pense vraiment même pas aucune équipe qui capable meilleur que Real Madrid et je dis Real Madrid li gen tout ça qu'il doit gagner, li gen joueur, li gen entraîneur et li gagne président. Mais d'abord poser Benzema question concernant et l'équipe espagnole de football qui gagne Coupe d'Europe là. Benzema répond dit et équipe espagnole était très bon depuis notre premier match. Façon que yo joueur attitude qui yo gagne football qui yo pratique Espagne t'es toujours gagne un jeu de touche un jeu de mouvement mais cette fois-ci li t'es vraiment mérité titre ça dès le premier match c'était meilleure équipe là qui t'es gagne dans compétition li mérité applaudi et on capable dit yo t'es mérité gagne trophée ça yo c'est vainqueur légitimement c'est meilleur équipe là. Voilà, c'est comme ça Karim Benzema lui-même li te fait en pile déclaration, li te chita parler avec journal Madrilène, n'a parlé exactement de journal Maca pendant passage li dans pays l'Espagne avec un club li qui c'est Al Ittihad qui a préparé pré-saison et au pas choisi l'autre pays pour venir, c'est en Espagne. Et Benzema lui-même il était tout profiter occasion ça pour te chita parler avec journal Maca. Pas oublier abonner, activer cloche notification, quitter un commentaire, quitter un like.